Eh bien, bonjour tout le monde. C'est Fun Cyclisme. Enfin, ce sont nous, Fun Cyclisme, Emeric et moi. Ouais, Donc, salut. on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Qui n'est pas piquée d'un ton, comme d'habitude. On va vous expliquer un petit peu. En fait, avec la database FCB16, on peut choisir les anciens Tours de France. Donc là, on n'a pas pris un ancien, on a pris un Tour de France qui a été créé par FCB16. Donc, première étape, pas mal. Avec le plateau de Beille pour l'arrivée. C'est une très jolie étape, les gars. Donc, on a pris deux équipes qui étaient assez bonnes en montagne. Donc, moi, la BMC, Moi, j'ai pris la et lui, Sky. la Sky. Voilà, donc on sait très bien qui a gagné, Bert. Non, mais on va dire qu'il a beaucoup de chance, surtout qu'il a une très bonne forme aujourd'hui, vous allez pu voir sur son Ouais, écran. Christopher Froome. Comparé à moi sur mon écran, MDR. Donc moi là, c'est plus 1, plus 2, enfin, voilà, ça va plus loin Bah quoi. moi j'ai plus 3 avec Froome. Ben moi je t'explique, Porte plus 1 et Van Garderen plus 2. Mais bon, en montagne, ça leur rajoute un peu plus que plus 1, donc c'est pas mal. Mais bon, on verra. Moi je pense que c'est pas moi qui vais t'attaquer parce que toi tu vas très bien gérer ton équipe blessée. En fait, tu sais pas très gérer. Quand t'as qu'un mec à gérer, c'est-à-dire quand t'es tout seul contre moi, t'es un peu dans la merde. Tu sais pas très bien gérer tout seul. Mais quand tu gères une équipe, t'es plus fort que moi. Donc on verra sur cette étape. C'est une étape comme notre nom, Fun Cyclisme. C'est de l'amusement, il n'y aura aucun rage, aucun. Voilà, c'est de l'amusement avant tout. Aussi, Tu fais ça, il tu faut fais ça. préciser les vrais vélos. Voilà, préciser les vrais vélos, Que les c'est quand vrais même de gars, la les vrais balle coureurs, Canon Dell Scott et tout. les team machines de la BMC, les pignales de la Sky, Les focus de donc la voilà, on vous G2R, fera des les petits Scott plans, et tout. on vous fera des petits plans tout au sein de la vidéo, sur les vidéos, etc. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez pu voir tous les vélos, à mettre en commentaire, en fait des points sur les vélos et nous dire lequel vous préférez. Ça me fait plaisir, les gars. Ouais. Bon, Voilà. là, dans l'échappée, il y a quand même pas mal de mecs, hein. Ouais. Donc, moi, j'ai fait une petite tentative, mais ça n'a pas marché, mais j'étais trop fort. Voilà. Donc, c'est une étape, on va dire, là où ça va commencer à faire mal, c'est à partir des deux, troisième catégorie. Là, Ouais. ils vont tous s'enchaîner. Ouais, et encore, Après, je sais pas, parce quand tu que vois quand tout tu seul. regardes les pourcentages, c'est pas noir ni Ouais, foncé, mais quoi. mec, regarde. Alors que Voilà, tu tu prends le vois. col à côté, Ouais, c'est sûr, mais ça va faire plus long. Quand tu regardes, à partir du deuxième catégorie jusqu'au troisième catégorie, ça monte, hein, il n'y a pas de descente. Hein. Il y a des Ouais, petites c'est clair. redescentes à des moments, mais genre c'est léger. Hein. On prend déjà quand Donc même bon, on près verra de ça. 6 minutes 30. Pourquoi il roule? On va les remettre au fond du peloton, enfin, à côté de Pierre-Latour. Donc là, on fait un petit test en fait. On fait un petit test de deux étapes, ce sera un tour sur deux étapes. Mais après, si ça vous plaît, vous me dites en commentaire, etc. Ça me fait plaisir. Déjà, vous êtes 5 abonnés, ça me fait largement plaisir. Ça fait qu'une semaine qu'on a lancé la chaîne, donc ça me fait plaisir. On sait que des fois, on parle dans le vide, au début, on parlait dans le vide et tout, parce qu'il n'y avait personne. Mais on sait que ça va arriver, et tout doucement, parce que c'est pas ponctuel, mais c'est qu'on met souvent des vidéos toutes les semaines. On essaie de, par semaine, au moins d'en mettre deux ou trois. Donc des fois, il y en a qui est un peu moins présent, ou des fois, ce sera moi qui serai un peu moins présent. On essaie toujours d'en mettre, donc moi j'ai été vachement présent parce que j'ai fait mon Giro, j'essaie de vous en mettre une par jour. Donc le Giro il sera fini, parce que là cette vidéo on l'a fait après le Giro. Pourquoi il La roule dernière comme étape ça? elle a été dimanche. Pourquoi je roule ma vidéo? À nous de l'échapper, on doit rouler à 70, j'ai pas compris pourquoi. Ah mais elle a vieux Giro dedans. Il a redescendu. Donc pour la première épisode, dites-nous en commentaire si vous voulez. Dites-nous en commentaire qui c'est qui vous pensez qui va gagner. Les coureurs doivent s'économiser avant les 79. hostilités. Mais quoique, moi je dis ça, mais tu sais, j'ai 78 à monter. Ouais, Ah ouais, 79 t'as avec plus un 3. plus 4, moi. T'as plus 4 à monter? Ouais. Donc ça te fait 83. Ouais. Moi Nicolas Roche, il est j'ai. à 75. Bah moi je suis pas loin de toi. Hein. Moi j'ai 80 en montagne. Hein. Et attendez, c'est Enao. Il a 81, il a un plus 5. Bah aussi t'as une équipe, hein. Parce que
peut dire. Ouais. C'est l'équipe aussi qui fait tout dans cette histoire. Vous avez beau, vous avez beau être bon, hein, après, si vous n'avez pas d'équipe, les gens. Bref, une espérance sur ce qu'on fera sur ce petit épisode. Donc, Emeric, tu vas pas tarder moralement si je me trompe. Je sais pas, c'est toi qui t'en occupe ça de ton procès à lui. Je sais pas si tu vas. Ah ouais, mais en fait, je vais essayer de le faire évoluer pour pas qu'il soit chiant à regarder au début. Puis quand il aura un petit 102, 113, on commencera à envoyer la pâtée. Mais tu sais qu'avec la database 72, 73, c'est rien. Tu te mets avec le 200 dès le départ, t'as 71. T'as plus qu'à prendre. Pourquoi il remonte là, wesh? C'est pas dur, MDG. Ouais, je sais. Mais là, je suis à 71, tu vois. J'ai essayé de travailler un peu. Et regarde, mais je pense que là, ils ont dit dans les commentaires que le FCD16, il faut pas le prendre dans les procyclistes. Parce que ça va faire de la merde. Ouais. Sûr. Mais je sais pas, après, c'est toi qui vois, mais. C'est sûr, il y a les vélos et tout, il y a les casques, il y a les gants, il y a les. Mais ça fait de la merde. Après. Allez, nous, on va jouer. Après, en carrière, c'est. En carrière, je vous conseille, les gars, mais après. Tu joues la montagne, toi ? Ouais. Je sais pas pourquoi tu la joues, mais t'es grimpeur. Quand t'es couru. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Van Poppel, tu devrais l'utiliser dans les. Pourquoi Pouls y part ? C'est un cave ou quoi ? Putain, il était en automatique, le con, il est parti. Christopher Froome. Luther Pouls, si tu le laisses partir. Ah non, ça roule. Non, mais je sais pas, il est parti tout seul, Pouls. Voilà, je vous montre les vélos, les gars, les cases sport. Là, vous avez les focus. Vous avez les voitures. Là, attendez, il y a les barrières. C'est un peu chiant parce qu'en procédé, c'est les mots, ça se zoom. Mais là, en carrière, on va pas tirer les vélos. Moi, perso, là, on les voit, les pins à vélo. Ouais, on les voit, mais c'est du tout, parce que c'est vraiment... Les focus sont vraiment bien, on avait dit aussi que les rivals étaient magnifiques. Oh, Nero Queen. Ah non, d'ailleurs. C'est pas Nero, c'est son frère. Oh, grosse chute, là, grosse chute. Reinta Ramae. Jérémy Roth, madame. Richese, Trentin, De Volder. Je dirais que là, dans le début de la descente, ça a frotté. Hein. Tout le monde a frotté. Ouais, Laurent Stendam aussi. Jakob Fuglsang. Ouais, ça se replace et ça frotte. Hein. C'est pas Nero Quintana, c'est d'ailleurs Quintana qui est tombé sur nous. Ouais, je sais. Ouais, c'est on va ramener quelqu'un au bidon. Swift. Au bidon. Danny Van Poppel. On va le faire monter à 58 de relais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le sprint aussi. Fais gaffe, il y a Nizzolo, il va le jouer aussi. Nizzolo, on dirait qu'il va pas tarder. Nizzolo, c'est un sprinter, à mon avis, il est bon pour ça. Vas-y, là, c'est le chemin là. Nizzolo, il est pas placé. Vas-y, c'est bon, personne qui tue. Non, en fait, tout le monde s'en fout, ils veulent la victoire. Ouais. Enfin, la victoire, je sais pas, mais. Bah écoutez, moi j'ai mis ma. Ouais, moi j'ai mis ma signalée. Hein. Ouais. C'est parti, on va le refaire relayer. Voilà, nous avons dépassé la première fois de sur ce kilomètre. Le ouais, peloton il y a déjà des. Il y a plus 5 de Sanchez de la Stanat sur moi. Ouais, mais c'est ceux qui sont tombés. C'est ceux qui sont tombés, eux. Du coup, je pense pas qu'ils reviendront. Ils vont déjà perdre du temps sur la première. Deux équipés de la Trek, ils seront plus en jeu. Deux équipés de la Etik, plus en jeu. Deux équipés de la Katusha, plus en jeu. Deux équipés de la Sana, plus en jeu. Ça fait pas mal. Hein. What? Ils relayent à. What? Pourquoi? Putain, ils relayent à 9900. Qui ça? Bah, dans l'échappée. Non, mais c'est des fous. Ah ouais, mais ça roule trop. Je pense pas vous y avoir vu, ça c'est quand même.
Ah ouais, mais lui il va chercher les vidéos, il est mort. En fait, il va chercher les vidéos en montée aussi, gros. Vas-y, puis c'est quel col, c'est quel col. Putain, il faut qu'on Ah, se calme là avec Van Poppel. Ah, on doit se relever, nous, on est obligés. Tu l'as pris, non? T'as gagné? Non, Ah, c'est non, Van mais... Avermaet et Atapuma qui sont partis. J'ai Atapuma et Van Avermaet qui partent. Mais c'est parce qu'ils sont en auto, ils ont voulu jouer le... What? Quand tu le laisses trop longtemps, en fait, ils commencent à jouer leur carte et tout. Mais non, c'est parce que tu les as laissés en auto, tu leur as pas fait se placer ici. C'est ce que ça m'a fait avec Winter Pulse, moi. Non, mais je crois que c'est au fur et à mesure, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Je pense qu'au bout d'un moment, quand t'es trop inactif, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, je crois. Non, j'ai 20 gardiens de cardio que t'as lâché. Qu'est-ce qui me rend? Je comprends rien, mais... Moi, là, franchement, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous entamons le dernier tiers de cette course. J'ai Denis qui roule maintenant. Je comprends rien, mec. Je comprends rien. Vas-y, mets point, s'il te plaît, que j'arrête tout ça. C'est normal, ils sont en automatique, je te dis. C'est pas... Ah, ça fait trop longtemps que je les ai pas touchés, c'est pour ça. Il faut que je leur dise de se replacer et tout. Ah ouais, quand tu fais trop longtemps inactif, en fait, ça fait tout automatique. Il y en a déjà qui craquent, hein. Jam de Gunkolb. Moi, ça, c'est un peu normal. Il y a Bettencourt qui est lâché, là, le star. Ouais, bah là, vous commencez à rouler aussi. Van Degen, Cancellara, Ensign, Arnaud Démare, Martin, Navardoska. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ouais, c'est Elle des devrait pas sprinters, convoiter quoi. l'attaque dans les moments à venir. Ah, Greppel. Ouais, Greppel, on va aussi. Ah oui, si, regardez les rivets, les gars, comme c'est magnifique. Attention, il attaque en contre tête. Ah ben c'est parti, on est mort. Et on va le prendre. C'est bizarre quand même que tu joues le meilleur point avec un sprinter. Hein. Ouais, mais ça fait un truc à faire, quoi. Ouais, voilà, c'est pas ça quand même. Là, 3 minutes 10, là, on voit que vous allez faire rattraper avec Easy, là. Mais c'est ça. Bon, moi, je vais essayer de récupérer, on va essayer de jouer les autres. Ah non, il faut pas lâcher par contre là. Ouh là, il roule. Ah ouais, on voit que le Mugello est mort, je crois. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Il va lâcher. Bon là, ça va, la pente, tu vas y arriver à la tenue, franchement. Avec non, non, là, je suis mort là. Anderson, il va lâcher. Là, il y a Mugello. Ah, mais pousse-toi. Anderson, toi, t'as lâché. Redzel a lâché. Moi je suis mort là, moi je peux pas. Hein. Ah ouais, vous êtes à côté en même temps. Bah tu sais quoi, ça sert à rien, je vais me mettre à 3, je vais vous attendre. Oh, je pédale dans le vide. Pourquoi Froome il est là? Il est même pas protégé. Pulse. On protège Froome. Mort, il était pas protégé. Il va regarder vraiment plus. Je vais refaire tout ça. Mais. Les visages se crispent à l'arrière du peloton. Qu'on ne compte plus. Les trois à l'avant, quand même, ils ont crevé. Hein. Il ne s'agit plus maintenant de rater sa trajectoire. Ouh, ça roule vraiment, vraiment fort. Hein. Je la sens bien, l'aptitude avec le mode. Comment ça roule de fou là? Voilà, voilà. Il y a plein d'écarts qui se font. Tout le monde sur place pour la descente. C'est vrai, je la sens bien aussi, t'inquiète. Je vais essayer de replacer Van Garderen et Porte à l'avant pour éviter de tomber. Voilà, il n'est pas resté en paquet. Ah, il a regardé la terre à gauche. Moi, je me mets bien à droite. Histoire d'avoir personne sur ma route. Là, dans le petit virage, là, une roue qui glisse.
Bon, moi je te propose de faire un peu plus jusqu'au pied du col. Attends, Ben Sul. Ouh! Ah oui! Ah oui, effectivement là. Ah oui! Ouh, ça retombe! Oh, ça retombe! Oliveira, Mathias, Franck, ça retombe là. Bah moi j'ai presque toute mon équipe. Hein. J'en ai que un de lâché. Non, moi j'ai Legion, j'ai Blockwater, je crois. Après c'est tout. 22 km, faisant le point, les échappés n'iront pas au bout. Avec du 66 à la fin, je crois. Bah c'est quoi Nicolas Roche, tu vas me ramener. Tu vas ramener les bidons. Et tu vois, moi, Danny Van Poppel, il s'est fait reprendre et puis il tient le coup. Hein. Bon, les échappées sont juste devant, on va les rattraper à la fin. Allez, Gilbert, tu fais un petit effort avant la montée. Avant une 16 km de montée pour nous donner le bidon. Merci, Gilbert, parce que. Pourquoi ? Mais. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Pourquoi il roule ? What ? Ouais, j'ai rien compris là. Moi non plus. Je sais pas ce qui s'est passé là. C'est abusé. Mais quand tu le laisses trop longtemps, il faut de la merde. Hein. Franchement, il faut de la merde. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a demandé, excusez-moi. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Ils refont pareil. Hein. Je sais pas si c'est fait exprès là. Ouais, ouais, là c'est fait exprès. Heureusement, j'ai eu pile de bidon avant de... Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. Ah, attaque de Quintana. Là, par contre, c'est pas d'ailleurs, c'est bien Quintana. Et c'est le Colombien Quintana qui accélère maintenant. Et je suis bien entouré, mec, j'ai 3 mètres. Mais pourquoi j'en ai 3 ? Maintenant dans un passage à plus de 10%. J'ai l'impression qu'il y a 2 mecs qui me protègent. Oh, on a fait un petit trou là. On a fait un petit trou là avec Froome. Hein ouais, forcément, je l'entendais pas. Niro Quintana, il a l'air frais là. Hein. Putain, par contre, toi tu fais mal. J'ai déjà plus de barre, on est à 10 km de l'arrivée. Donc... Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres. Oh, Vanguard, on rentre pas bien là. Enfin, à droite de la route. Seule porte est capable d'être un minimum bien. Par contre, je vais me calmer, sinon Pouls, il va pas suivre. Et toi, tu vas me dire que t'as toute ta barre encore avec Froome ? Bah, ouais. Ah ouais, bah gros cheaté, mec. Hein. Gros cheaté, sa mère. Hein. Et Richie Porte qui fait l'effort, là, pour revenir. Hein. En fait, quand Froome, c'est quelqu'un qui dirige, ça passe. Mais là, quand c'est toi qui le dirige, ça passe pas. Ah, ça, c'est abusé. Ah, c'est abusé. Pas, bah... c'est abusé. Ah, et Nairo Quintana en fait. Les portes, il s'est arrêté dans la route Pulse. Ah, putain, ça me casse les couilles. Et avec Christopher Froome, là, on s'envole vers la victoire, les amis. On s'envole sur la victoire pour aller chercher le maillot jaune sur le plateau de Bay lors de la première étape de ce Tour de France. On va y arriver avec Christopher Froome, il va le faire. Tandis que derrière, Nairo Quintana craque, porte et pas bien, Wouter Pulse. Lui, il en peut plus. Et Froome a un peu se calmé là quand même. Je l'avais jamais essayé quand même Froome, mais tu vois, franchement, ça se regarde Pulse. S'il arrive à faire 4ème,
C'est vraiment ces putains de jeux cheatés. Regarde cette distance, mais oh là là. Toi, t'as de la barre encore? Avec Froome, j'ai un poil de cul. Ah ouais, ben moi j'ai plus de rouge, plus de bleu, comme Quintana. T'es au rupteur, quoi. Ouais. Putain, c'est abusé, on voit la différence. Hein. Ah ouais, c'est abusé. En fait, ce front, t'as vu, quand t'es sur des tours et tout, il fait de la merde. Il te met, genre, des fois, il te met que 10 secondes, et des fois, tu montes et tout. Mais si c'est toi qui te dirige sur... Et avec Christopher Froome, là, on va s'envoler vers la victoire. Maillot jaune pour Christopher Froome. Surtout, faut mesurer les écarts avec Richie Portenero, Quintana. Et on l'emporte haut la main. Il y a 2 minutes. Haut la main. Tu vas jusqu'à la demi. Haut la main avec Christopher Froome. Ah, Quintana, tu vas me passer sur la ligne. Tu fais meilleure équipe en plus avec Enao. Bah, c'est abusé pour le qui lui reste, mec. Thomas, il lui reste encore Thomas. Ah, c'est abusé. Oh, on va peut-être passer Dan Martin. Non, il ne passe pas. Je pensais pas que cette équipe a été aussi cheatée quand même. Putain. Et là, les écarts, les amis, vont être vraiment importants. Tandis que là, il y a Nicolas Roche. Nicolas Roche, qu'on va pouvoir faire un petit peu forcer là. Et ça va jouer au sprint avec Esteban Chavez. Nicolas Roche. Et non, Esteban Chavez est une meilleure pointe de vitesse que nous. Ah bah putain, franchement, je pensais que tu mettrais la mine, mais je pensais que tu pouvais mettre genre 30 secondes. Mais genre, je pensais pas à 2 minutes quand même. Putain. Et tu sais, j'ai pu vraiment rien faire. Hein. Ouais. J'étais un effort curseur derrière toi à 99 et je te suis ou pas? Alors que moi, j'étais un effort curseur, allez quoi, 76? Ah, c'est chaud, mec. Hein. Putain, franchement. Victoire du Britannique Christopher Froome. Il est cheaté parce que quand tu regardes Quintana, il a pas arrêté Froome, il a 79. Mais après, il doit pas avoir un meilleur truc parce que là, il fait que 2 minutes, hein, Quintana. Et là, Richese, les coureurs qui sont tombés de l'ETX là qui arrivent à la fin. Et Richese qui va peut-être pas finir dernier. Hein. On voit les maîtres qui reviennent sur Vandenberg. Ah. Vas-y, mets un peu plus, Gab. C'est Kittel qui va finir dernier. Non. Non, Kittel fait pas dernier, c'est Richese. Et voici maintenant les instants clés de la course. Victoire de Christopher Froome. En fait, quand t'as gagné avec Froome, avoue, c'était pareil que quand tu vas sur la database et que tu te mets un mec à ta 15e partie, non? Exactement. C'est pas un peu ça. C'est... Et j'avais 83 là, parce que j'avais un plus 3. Hein, en plus. Ouais, c'est sûr. Mais genre, regarde. Victoire de Christopher Froome. Le maillot jaune de Christopher Froome. Moi, ce qu'avant, c'est des hommes des équipes. Hein. Voilà, victoire de Christopher Froome. Dernière, Quintana à 2 minutes 9. Wouterpools 3 minutes 11. Guérin Thomas. Enfin, Van Garderen 5 minutes. Ah, d'accord. Et le dernier qui prend quand même plus de 38 minutes. Hein. Bon. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez de nouvelles vidéos dans ce même type de concept, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, liker, partager, commenter, enfin, tout le tralala, quoi. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, peut-être pour de nouveaux concepts, Gabriel ou moi. Et on se dit à la prochaine. Allez, puce !